Troisième mission dans notre second DLC, quatrième partie, on va s'attaquer à Imora. Putain, ils ont mis le paquet hein, là sur cette cinématique, ça a la classe. Alors comment il est fichu notre monde? Alors on a des objets à trouver, ok. On a un petit peu à traverser quand même hein. Parti pour la guerre totale hein. De codex de cette zone bien sûr parce qu'on en a quelques-unes avant. On peut nous tirer dessus mais... Encore je me dis qu'ici il bouge là. Suffit, hein, c'est une mandibule là-bas. Ah d'accord. Quand je me disais... Ouais.
vraiment la vouloir. Hein. Franchement. Si on veut la mune, c'est ici, mais là, vu que je l'ai pas full, pas si je peux prendre également le, la carte. La carte sera pour après. Parti, faire la guerre. C'est quoi cette espèce de pilier là? Le feu c'est... C'est accueillant. Ah lui il est choqué hein. Pas mal, hein.
Vous allez devoir franchir ces murs pour continuer l'assaut. Ils m'ont touché par l'écrasement au marteau, sentinelles seront confus pendant plus longtemps. C'était un peu foufou. Pourquoi le truc a pas voulu me faire sauter en l'air là? Putain. Saleté. Mauvaise idée de venir ici. Il y a le feu. Ah, attendez où Ils sont putain de cœur. Trajectoire
l'occasion de le faire. Il est sur la fin ou pas là? Attention, il n'y a plus de coraux. Le deuxième. Pouvoir déverrouiller la carte. Terminer toutes les confrontations. Donc on est sur le dernier niveau. Tout comme mes DLC. Il a trois parties. Chaque fois que je me fais aider dans cette tempête, il va pas venir. Je vais travailler ça. On va le faire quand tu auras un petit peu moins de monde. Visiblement, il y a des trucs qui tirent. Au plus près.
que j'ai le réflexe de courir avec Shift. Comme ça que ça marche. En mettant en bout de course sur chaque action. Ça passe. Et lui, c'est bien, on remonte petit à petit. Là-haut. C'est par là. Deux, hein. C'est le dragon qui a craché son truc. Oups. Protéger le... Comme si on l'attaque par où... Ah putain, quel enfer. Ok. J'ai surtout peur qu'il y ait des bestioles qui m'attendent. Ah, tu peux pas sauter. On voit des géants. Ah, lui il est possédé. J'ai pas mon marteau. Buster. On va quitter la zone là. Entrée fracassante avec sa propre technologie.
dû être centralisé ici, comme une sorte d'élite dirigeante. Ça, c'est le deuxième. Ah mais sérieux, foutez-moi la paix, je suis en train de regarder. Quel va être mon game plan? Qu'il faut tirer dessus. Dernier moment. On est pur des enfers. Hein. Super, je lui donne un coup de poing, j'aimerais dire ce que je... Ce passage à 6 millions. Alléluia. Hein.
ça y est, lui qui était mort. Oh là là, oh, un gros carré. Hein. J'avoue, j'avais déjà trop m'occupé avec l'autre. Immonde. Franchement. Oh putain. Je vais pas te laisser repartir comme ça, mon pote. Détestable. Hein. Il y a eu des moments compliqués, mais celui-là, je l'ai trouvé particulièrement saoulant et pas très divertissant. De machin. Là, tu nous emmerderas moins, t'as pu que j'ai laissé en vie tout à l'heure. C'est quoi ça? Un petit peu la bonne arme. Où j'étais tout à l'heure, non? J'avance. Oh là là. Ouais.
me protège un peu. Attends, c'est lequel, c'est le même ou... C'est le même. C'est pas fini. Non, je pense qu'au début c'était un boss dans le vous en sert à toutes les sauces. Comment ça s'ouvre? On est pas nul. Des fois il y a un bouton. Et où là? Ah, c'est là où j'étais tout à l'heure. C'est que ça va être la fin. J'ai cherché mes passes. Alors j'aime bien parce que on a une récompense, mais non, faut vraiment la mériter amplement. Doom, c'est un jeu pour les masochistes, quoi. C'est la dernière page, hein. C'est la dernière page. On est où là? Le truc est
Alors il est où j'ai perdu mon blue refill. Bravo Fred. Ah sérieux, c'est relou hein. S'il monte quand je descends et inversement, on peut s'en sortir. Hein. Ouais, il me chie en fait. Merci bien. On vous aime. Pas mort les temps putain. Là parce que on a eu un petit moment de faiblesse hein. Y en a un qui a besoin de lance-roquette là. C'est est-ce que j'en ai, j'ai pas si j'en ai. C'est surtout le vert que je veux, voilà, c'est avec son petit bouclier, il est pas... Il est où, bon Dieu. Ah, il est pas cool, hein. Il doit être... Je sais pas si c'est pour goûter, ouais.
ça va repopper pendant combien de temps donc, Il y a un truc qui m'a pété là, c'est... Approchez du sanctuaire du Seigneur des Ténèbres. La connexion commence à se brouiller. J'ai tout fait, hein. Monsieur, je ne sais pas voir. On a chopé tous les objets. Ténèbres, contrer le Seigneur des Ténèbres lorsque ses yeux clignotent envers. Ah, ça me rappelle un ennemi que j'adore. Pour lui infliger confusion, utilisez le marteau sentinelle pour allonger la durée. Confusion, lorsque vous êtes à portée son épée, rapprochez-vous, mais pas trop, pour augmenter la fréquence des attaques à l'épée et des clignotements du verre. Les loups invoquaient l'âge des munitions marteau sentinelle lorsqu'ils sont tués. D'accord, c'est un peu le même principe que. Super quoi. On fait une erreur, il reprend toute sa vie.
de la vie. Ensuite, le marteau sentinelle tue tous les démons, invoquer instantanément les loups, invoquer lâchement des munitions de marteau, tuer des zombies avec. Et Glorguil chargera également le marteau. Ils sont de maintenant. Il vient de battre un peu là. J'ai pas de marteau là.
pris de la vie, ce bâtard. Putain, j'ai pas... Putain, j'y croyais pas. J'aurais dû y croire. Et pourtant, c'est ce que j'aimerais. Son attaque a été beaucoup plus longue que normal. J'ai pris cher par
balance là ton attaque, bordel. Quel enfoiré. Je trouve ça nul d'être tributaire de... Un monsieur veut bien faire son attaque. Donne de quoi faire une suite, ça. Que
le sang sur votre lame ne sèche jamais et puissions-nous ne plus jamais avoir besoin de vous. Voilà qui clôture cette aventure. Doom suite au prochain épisode.